La famille, c'est incroyable ce qui se passe. Éliminatoire à Coupe d'Afrique des Nations. Maroc en 2025, dans le groupe du Bénin, figure le Nigeria, la Libye, bon, en tout cas, le Bénin, le Rwanda. Vous voyez. Le Nigeria vient de quitter la Libye à cause des conditions que je vous ai expliquées tout à l'heure. Comme quoi, bon, ils sont restés à l'aéroport pendant 12 heures de temps, pas à boire, pas à manger. Vous voyez. Des conditions exécrables, bien sûr. Ouais, je suis allé creuser un peu dans ce dossier. Le Nigeria est un habitué du fait, c'est-à-dire les Nigériens, eux, font ça aux gens. Ils ont fait ça au Bénin, ils ont fait ça à la Libye. Vous êtes en train de voir la photo. Quand les Libyens étaient, bien sûr, en terre nigériane, ils ont fait les mêmes choses. Et voilà, les Libyens sont en train de leur rendre, bien sûr, la monnaie de leurs pièces, tout simplement. Et ils sont en train de crier scandale, par-ci, par-là. Et bon, leur gouvernement a affrété, bien sûr, un vol et ils sont rentrés, bien sûr, de l'autre côté du Nigeria. Dans ces conditions, la CAF a sorti, bien sûr, un communiqué, la Confédération africaine de football, comme quoi elle va statuer, bien sûr, sur ce cas, conformément aux articles. Et si la CAF doit se conformer aux articles, c'est le Nigeria qui sera censuré. Donc, les Libyens risquent de prendre les 3 points de cette rencontre. Vous voyez un peu la situation actuelle. Au lieu d'attendre, bon, de souffrir, au lieu de rester dans le pays quand même, de souffrir et de faire les choses jusqu'à sortir la tête de l'eau. Le match, c'était demain le 15. Demain 15. Oui, demain mardi 15, ils allaient jouer. Maintenant, donner 3 points gratuitement comme ça aux Libyens, la situation se complique. Hein. Se complique, ça veut dire que le Bénin ne peut pas être qualifié d'office. Mais le Bénin ne peut pas être qualifié d'office, même si le Bénin gagne demain. Et vous voyez, c'est un véritable casse-tête chinois qui commence déjà. Attendez et jouez et vous partez. Si on doit censurer un pays, vous allez voir, la CAF va censurer le Nigeria. Vous faites la chose aux gens et on vous fait la même chose maintenant. Et vous commencez par crier au scandale, tout ça là. Au 21e siècle, au lieu de bien accueillir les gens et de mettre les gens à l'hôtel, on fait des choses pour empêcher l'équipe adverse de bien jouer, on les met mal à l'aise, des trucs à l'ancienne. Ça n'existe plus dans un pays. Vous voyez, ça n'existe plus. Et voilà, voilà les situations, ce à quoi on est en train d'assister. Voilà. Quelle décision la CAF va prendre maintenant? Selon vous, quelle décision la CAF va prendre? Laissez vos avis en commentaire, on essaiera d'en débattre dans notre communauté. En tout cas, moi je sais que la CAF va sanctionner le Nigeria. La CAF va sanctionner le Nigeria parce que le Nigeria a violé, bien sûr, l'un des règlements. Vous ne devez pas boycotter le match et vous retourner, bien sûr, dans votre pays. C'est impossible. C'est impossible dans ces conditions-là. Vous voyez. Je serais très ravi de vous lire en commentaire et donner vos avis par rapport à cette situation. Je tenais à partager l'information avec vous. Ils sont partis. Ils sont partis. Ce qui est sûr, le match Bénin-Rwanda, c'est demain, ça aura lieu. Nous, on va jouer notre match. Comme eux, ils ne veulent pas jouer. On va jouer, essayer, bien sûr, de faire ce qu'on peut faire par rapport à notre rencontre. La CAF a sorti immédiatement le communiqué. En bas du communiqué, vous allez voir. J'ai laissé sur ma page officielle, l'URES Premier officiel, le communiqué de la CAF. Allez suivre là-bas. Allez vous abonner aussi massivement là-bas. Page Facebook, l'URES Premier officiel. C'est pas l'URES Premier seulement. L'URES Premier, c'est le compte, tout simplement. L'URES Premier officiel. Allez vous abonner massivement là-bas. Vous voyez. Et vous allez suivre mes actualités. Là-bas, il y a des choses qui ne sont pas ici, mais qui sont forcément là-bas. Maintenant, je ne saurais terminer sans partager la grosse opportunité avec vous. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et manquer d'argent. Prends mon TikTok monétisé. Plus 229 53 63 87 30. Je vais t'aider à créer un TikTok monétisé. Tu vas gagner de l'argent avec ça. Si tu as une chaîne YouTube, je vais t'aider à monétiser cette chaîne YouTube. Tu vas gagner de l'argent avec ça. Par Facebook monétisation, on fait à tout ça. Maintenant, l'autre chose, si tu vends des articles et tu as besoin de publicité ou bien de collaboration avec moi, toujours le même contact, plus 229 53 63 87 30. Le numéro est encore en description de cette vidéo. Allez choper le numéro. Maintenant, pour ceux qui veulent entrer dans notre groupe WhatsApp aussi, on a le lien de notre groupe WhatsApp en description. Vous pouvez aller cliquer sur le lien et rentrer dans le groupe Bichu des premiers. Qui parle, c'est chaud dans ce groupe, dans le groupe WhatsApp. En tout cas, je serai très ravi de vous lire. Laissez vos avis par rapport à cette situation. Le Nigeria a Tchengen, le Nigeria a Faya, le Nigeria a Pan, le Nigeria est parti. C'était moi l'URES Premier. En deux gros sauvés. Paf!